Bonjour. 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 Alors, on a bien bossé sur Tom Craft. D'ailleurs, on va vous montrer. Tiens, attends, on va aller là-bas. On a découvert tous les aspects, je crois, Oui. si je dis pas de bêtises. C'est bien Donc tous ça. les tiers, absolument. On a un peu scanné tout et n'importe quoi. Hein. J'ai même pu scanner épée, c'était rigolo. Et il y en a masse. Hein, vous le voyez ici. Il y en a 53 en tout. On allait dans le Nether aussi pour scanner des trucs random, on a scanné. Il y aura encore des trucs à scanner qui nous rapporteront des points, bien évidemment. Surtout la Nether Star. Grox, pas apparemment. Ah, la Nether Star, ça. On a pas une Nether Star qui traîne? Non, je pense pas. Bah non, on les a utilisés. Occupés. Oui, bah oui. Qu'il y a une node ici. Ah, mais je suis déjà chargé à fond. Ah, mais non, je suis pas chargé à fond en blanc. Attends, reviens là, la node. Est-ce qu'il y a encore un livre? Oui, il y a Pourquoi encore un livre. Il veut pas pomper dessus? Bon, voilà. Tranquille. Bref, ça nous a pris pas mal de temps. On va faire une petite pause sur Tom Craft, le temps d'avoir vos retours sur les épisodes, de toute façon. Louis Picoton, on veut toujours pas. Ah, le Witch Cauldron, peut-être? Non, il veut pas non plus. Ici, ça rapportait masse aussi, hein, les Ouais. Witch Fume, la distillerie, le kettle. Donc, on va faire une petite pause sur Tom Craft et on va faire ce dont on a parlé la dernière fois, à savoir l'altar, qui ici. Et je vais récupérer ce qu'on a au-dessus. Le cauldron, il veut pas. Hein. Ah, on le récupère plein, mec. Ah, Ouf, bien. je pensais qu'on allait le récupérer vide. Donc, alors attends, on va placer tout ça. Est-ce que t'as de quoi faire un petit coffre? Ouais, j'ai du plein de bois. Vas-y, fais-moi juste un petit coffre que tu poseras à côté. What? La vache s'est fait attaquer, on sait pas trop pourquoi. Je vais en profiter pour scanner le steak. Des blocs. Ouais, j'avais un petit peu trop de coffres en moi, donc. Yeah! J'ai scanné le steak cru. Ah oui. Alors, ah oui, d'accord, t'as mis 50 milliards de coffres. C'était juste pour stocker le calice, tout ce qu'il faut sur notre machin. Et on va tout simplement casser tous les arbres ici. Alors, juste avant, avec les cheers, il faudrait que je récupère des Spanish moss. Il faut quelques-unes. Alors, comme je l'ai dit, RedstonePF avait fait une vidéo. Bon, là, on en récupère un tout petit peu, ça suffira. Et avec un lien avec le wiki, donc tout ce qu'il faut. En gros, on peut mettre à peu près tout ce qu'il faut en végétaux. Ce qui manquait, c'est la range. Je l'ai maintenant. J'espère qu'il n'a pas été nerfé. C'est juste qu'il y a une limite par truc. Donc là, par exemple, j'avais mis énormément de bois, mais ça, c'était pas forcément très utile d'en mettre autant. Puisqu'à partir d'un certain moment, ça sert à rien d'en mettre plus, ça vous apporte pas plus d'énergie pour l'altar. Je vous le rappelle, on l'avait déjà dit la dernière fois, mais l'altar, il faut que qu'on ait un max d'énergie à ça. Ah, 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 c'est vrai, je les avais oubliés, putain. Les ends. Pas le buter. Il nous faut au moins 11 000 d'énergie pour après faire des rituels et pour invoquer des boss, des démons, des conneries comme ça. C'est dans la suite des quêtes qu'on doit faire pour Witchery, justement. Donc on va juste bouger l'altar, mais qu'il reste du bois là-haut. Oh bah, de toute façon, le bois il va tomber là. Oh, salut toi! Oh bah, il y en a deux! Ouais, c'est normal, quand on casse la nuit, faut le faire de jour, je crois. Sinon ils apparaissent. C'est pas l'inverse? Tu avais moins de chance? Ouais, c'est une histoire de probabilité ou la nuit, je sais plus. Je sais plus exactement. Alors attends, on va dropper ça là-dedans. Pas ça non plus, pas mal de bois, et on va bouger notre altar. Donc, dans l'idée, on va construire en dessous une sorte de réceptacle pour notre altar. On va le faire un peu plus loin. Pense qu'on est-ce que tu peux me crafter en bois éventuellement des escaliers en bois. Ouais. Pas de soucis. Comme ça. On va faire des escaliers qui montent et on va mettre tous les trucs nécessaires à l'altar. Et vous allez voir, on va le voir grimper en direct, si je puis dire. On va les mettre en dessous. Alors il faut faire un truc assez haut parce qu'on va avoir besoin de mettre 50 milliards de choses. Voilà, tu fais des escaliers qui montent. En plus, ils sont beaux ces escaliers.
C'est du Gratwood. Ah, d'ailleurs, je peux le scanner. Voilà, ça sera suffisant. Ouais, ouais, stop-toi là-haut. Voilà. Ah oui, c'est haut. On va mettre notre altar, on va le mettre comme ça. Hop, il se forme. Donc là, l'altar, il a 88 de base. Pourquoi il a 88 d'ailleurs? Ça doit prendre le. Le bois là, les Greatwood Silver. Il devrait être à 80. Donc ça a dû prendre un des feuillages là-bas, qui est à distance. Il devrait être à 80, bref. Et on va pouvoir mettre énormément de choses. Alors, ce qui rapporte le plus. Ils mettent Yellow Flower. Je sais pas si les dandelions rapportent bien. On va compter, vous allez voir. On va récupérer les dandelions ici. On va compter. Il va falloir beaucoup de terre. Attends, on a de quoi crafter de la terre, je crois, avec. C'est comment déjà? Les Air Seeds, non? La terre, ah oui, c'est les Air des Water, je crois. Et directement avec les Earth Seeds, non? Ça peut marcher ça? Je crois pas que la grâce marche, mais j'ai de toute façon j'ai une hachette en Seal Touch. Ah, attends, on va regarder plat. Du coup j'ai un truc dans mon inventaire. Ouais, mais si on peut la crafter direct, ça sera mieux. On va devoir planter des trucs dessus. Alors. Non, on peut pas. Soit on utilise Blood Magic, soit on utilise un VAT, mais c'est. Ouais, non, c'est chiant. Bon, t'en as une, c'est pas grave. On va faire de la dirt. Et ça va s'étendre à la vitesse où ça s'étendra. Alors quoi que non, avant de mettre de la dirt, je suis con, il nous faut... en fait, il nous faut des éléments de tout. Naturel, j'entends. Par exemple, tout ce qui est feuillage, ça apporte 3 d'énergie par feuillage et on peut en mettre 100 au max. Et ça pour chaque type de feuillage. Donc il va falloir qu'on récolte énormément de feuillage, si t'es ready. Ouais. Hop. J'ai plus mes... Il va falloir qu'on récolte 100 feuillages de tout, donc je vais faire pousser des arbres dans tous les sens. Et faut qu'on récolte 100 feuillages de chaque. Ok. Alors je sais pas si on ira jusqu'à 100, on a qu'à faire un stack ou un truc comme ça sera plus simple. Donc on va ellipser, on va faire ça tranquillement pendant ce temps. Mec, pendant ce temps à droite ça continue d'afficher tous mes messages de... Ouais, de Nothing et... De Tom Craft, c'est tellement long. Donc on va récolter ça hors caméra, on se retrouve juste après, on va commencer à construire, je vais vous montrer un petit peu à chaque fois l'impact sur le l'altar. Allez, à tout à l'heure. On se retrouve un peu plus tard, il fait beau, il fait chaud. On va commencer à placer les trucs. Alors, on va revenir... Ah oui, je sais pourquoi on est à 90, tu vois, t'as mis un petit bloc de... Ah, tu l'as mis ici. C'est pas ici qu'il fallait le mettre. Vire-le. Oui. Oui, alors... On est bien à 88, vous avez vu, ça fait un bonus de 2. On va commencer à placer plein de trucs ici. C'est des feuillages ici qui... normalement, à la base, on devrait être à 80, je crois. Je sais pas, attends, à combien on est là? Là, on est à 88. 88, toujours. Reste là-haut, tiens. Ouais, bah oui. Regarde, je vais commencer par placer les melons. Les melons, normalement, c'est combien? 4 par truc. Donc là, je vais en placer 1. Normalement, on devrait passer à 92. Non. Ça passe pas à 92? Non. Putain, ils ont changé le radius, mec. Le radius, ah, c'est si, pas 92, bon. C'est bon. Ah, ok. C'est long à prendre en compte. Ouais. Ok, alors les melons, on peut en placer 20 au maximum. Donc là, tu vas voir, ça va augmenter pas mal normalement. Allez, ça va 136. Voilà. Les pumpkins, c'est exactement comme les melons. 196. Voilà, il est en train de voir que ça augmente notre cher épée. Ensuite, on a tout ce qui est... tiens, j'avais oublié au passage de scanner nos amis. La pumpkin épée forte, il est déjà scanné, et le melon. Et comme ça, on va continuer. On va faire aussi donc avec le bois. Le bois, c'est 50 max de chaque et c'est 2 de plus. D'accord. Donc là, pareil, ça devrait augmenter. Oui. Alors là, je le fais dans ce sens-là, mais vous n'êtes pas obligé de le faire dans ce sens-là. Faut savoir que la distance en tout, c'est 29 sur 29 sur 29. Donc en gros, jusqu'à 14 blocs. Donc là, on doit être un peu limite d'ailleurs. On est à 7.
ce niveau-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, on est à 10 blocs, donc c'est bon. Hop. Après, on peut aller assez loin. Donc, on va placer tout ça. Bah tiens, épée, si tu veux venir m'aider. À placer tout ce bordel, tiens. Alors, je vais te filer le bois. On va commencer par le bois, voilà, tiens. Donc tout autour, hein. Ouais, pour l'instant, on élargit la base. Voilà, à partir d'ici, tu peux commencer à faire par-dessus, je pense. Alors, on s'en fout comment on dispose les trucs, hein, vraiment, rien à foutre. Oui. Aucune importance. Si vous voulez faire un truc beau, vous pouvez faire quelque chose de plus joli, mais bon. On va aller voir à combien on est là, une fois que on aura fini de placer tout ça. On devrait déjà être à pas mal, sachant que j'ai pas mis évidemment le crâne et Le le calice. calice qui augmente. Alors c'est surtout le crâne. Donc là déjà on est à 448. Tiens, continue à placer. Alors il y a tout ce qui est feuillage. Pareil, hein, tu continues en montant au-dessus. Je te les ai tous lancés. D'accord. Ah Ça oui. augmente pas plus là, tiens. Pourquoi il reste bloqué à 448? Il y a peut-être des bois qui ne fonctionnent pas. C'est possible après, hein. Ouais, il reste fiché à 448. Essaye de mettre les feuillages. Je me vide juste ça. Voilà. Feuillage. Il reste à 448. Ah voilà, 529, donc les feuillages ça fonctionne. Il y en a masse à mettre. Ça s'update au fur et à mesure. Je sais pas pourquoi, les bois, il y en avait un dans les types de bois qui devait pas fonctionner. Je sais pas lequel c'était. Jungle. Mais là, ouais, c'était peut-être le jungle, mais normalement c'est censé fonctionner. Tous les. Tiens, file-moi des leaves, hein, je vais en mettre. Ils sont censés tous fonctionner. Alors les feuillages, c'est 100 max de chaque. Alors là, on a fait un stack, c'est suffisant. Mais sinon, c'est 100 max. Que oui, vous pouvez pas en dépasser un certain nombre. Enfin, si vous le dépassez, disons que ça fait rien. C'est pour ça que moi, quand j'avais mis mes arbres, plus j'en mettais. Enfin, au bout d'un moment, ça faisait plus rien parce que j'avais dépassé déjà le max. C'est joli, hein? C'est très... C'est très moderne. Ouais, on va dire ça. Alors, ce qui est chiant, on peut mettre aussi des graines, mais là, on va pas pouvoir parce que dans notre mode, à cause de. Comment ça s'appelle? Magical. De. Magical Crops, on est obligé de les mettre sur des crops et du coup ça ne compte pas. Donc ça c'est un petit peu chiant. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez mettre. Un lot par exemple ça rapporte 1 et tu peux en placer 50. Bien. La blague du truc. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez mettre. Ah bah, il te restait du bois? Bah ça c'est mon bois à moi, c'est le Silverwood. Ouais, vas-y, place le Silverwood, j'en avais pas. Silverwood rapporte. J'en mets un peu partout parce Ok, tout. qu'avec les leaves, ça dépop pas. Donc. Normalement, non. Non, tu les places. À combien on est là? On est à 1560, mec, c'est pas mal. Maintenant, on va mettre. Tiens, je vais mettre du sable. Ah oui, il faut pas que je le dispose comme ça. Putain, c'est building game le machin. Ah oui, mec, c'est vraiment un building game. Mec, maintenant, faut mettre des cactus. Attends, c'est pas fini. Hein. Là, ça va être plus dur. On peut faire un cactus de plus de 3, je sais plus, je crois. Bah, si tu le superposes à toi-même, oui. Regarde, on va positionner comme ça. Donc du cactus, ça rapporte. Le cactus c'est 50, ça rapporte 3 de chaque. Tout pas mal. Et de la canne à sucre. Ah mince, il va falloir de l'eau, mec. Ça va être chiant. On va aller chercher de l'eau, on va mettre de l'eau, parce qu'il faut mettre de la canne à sucre. Cassé mon cactus. Ah. Ah, Mais...      װ││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 
tiens, on fera une source infinie ici, voilà. Ok, c'est suffisant. T'as un seau sur toi? J'ai même seau d'eau directement. Ah bah attends, je vais en chercher juste un deuxième. Il en faut deux. Bah, j'en ai un deuxième seau. Ah bah écoute. Mais pas d'eau. Ah. Tiens. Tellement lent, c'est bon, bon j'avais. À combien on est? 1775, tiens. Voilà, de l'eau. On va placer de l'eau un peu partout, dans tous les trous que tu vois. Oui, remplissons des trous d'eau. Et comme ça. Alors je sais que je peux faire plus de 3 de haut. Pour les cannes à sucre, c'est juste que j'arriverai pas à placer ici. Oh tiens! Je savais pas qu'on pouvait mettre de la canne à sucre contre du cactus, mec. Si, ça ne pète pas. Ah, intéressant. Attends. Ah! Bon, bah d'accord. C'est mal, hein? C'est surtout que je suis tombé. Oh, les escaliers. Alors, le sable ne rapporte rien. Il y a encore plein de trucs, hein, honnêtement. Il y a le cacao, il y a les carottes. Je vous invite, je mettrai dans la description une vidéo, il y a un lien vers. Oh putain, mec, il nous manque pas grand chose. On va mettre de l'herbe pour finir. Vers la vidéo de Redstone PF. Est-ce que t'as de la dirt sur toi? Oui. Non. Que j'en ai. Ah, j'en ai un peu, c'est bon. Donc au final, ça fait un truc bien dégueulasse, mais on s'en fout. Pourtant, c'est que ça marche. On est à 1954. T'aurais pas cassé quelque chose, toi? Si, si, attends, je suis en train de remplir les trous. Non, non, y a plus besoin de remplir les autres. Ah, ça marche pas très bien, Rotik. Oui, t'arriveras pas comme ça. Wouhou. Voilà. 1964. Alors, quand l'herbe va se répandre, ça devrait monter un peu plus vite. Donc là, on est quasiment à 2000 et on va pouvoir beaucoup augmenter avec les petits bonus. Alors, on en avait déjà parlé de ces trucs-là. Oui, il y a les Spanish Moss aussi. On va pouvoir foutre du Hot Throne, j'en ai déjà mis. On va les mettre sur les côtés, les Spanish Moss. On les met là. Elles devraient descendre. Ben, c'est fat, hein. C'est dégueulasse. Oh oui, c'est bien dégueulasse. Voilà, 1984. Alors normalement, le mieux, c'est vraiment le Wither Skeleton Skull, voilà, qui multiplie par 3. Oh. Donc on est déjà à 6000, hein. On a un altar qui est plutôt pas mal. Le Candelabra, c'est juste au niveau de la rechargement, je crois. Ouais, on passe en x5. L'Artana, c'était soi-disant pour faire je sais plus quoi, mais ça fonctionne pas. Alors, je sais plus comment on le place, l'Artana. Je sais plus comment on le place. C'est pas important. Et le calice, voilà, le calice qui double. Donc on a un altar qui est monté à 10 000. On pourra le pousser jusqu'à... Je sais plus comment on le met. Ouais, je sais plus. Il est endommagé, là, c'est dommage. Ouais, c'est parce qu'il est endommagé, je pense, quand je l'ai récupéré. Donc là, mec, on a un altar quasiment à 10 000. Il va monter à 10 000 une fois que l'herbe sera répandue. Et on pourra placer encore des trucs comme... comme quoi. Il y avait des plantes. Tiens, on va pouvoir... Il faudrait que ça s'étende un peu plus vite là, pour qu'on puisse planter des fleurs. Bah tiens, t'as ta Silk Touch? Oui. Où est-ce que j'ai mis les... Voilà. Récupère toute l'herbe ici, ouais. On va aller la planter là-bas. Ah, n'empêche que c'est une hache pour ramasser de l'herbe. Bien, c'est suffisant, vas-y, file-les-moi. Oui. Comme ça, on sera monté à 10 000 pour rappel. Je crois qu'il nous faut 11 000, peut-être plus, mais il me semble que 11 000 permet de faire à peu près tous les rituels. Bien plus exactement. Alors par contre, il va falloir qu'on éclaire ici. Hein. Ouais. On va mettre des torches. Ouais, je vais aller chercher des torches. J'en ai un. Ah d'accord. Hop, ah, je remonte. C'est déjà tombé. On est à 10 000 là, fois 5. Ah ben voilà, 10 000 pile poil. 10 095. Ah oui, c'est encore mieux. On va éclairer un petit peu tout ça. C'est quoi? C'est F10. F7. Voilà, pour pas avoir de petits soucis. Là, même si, si ça devrait pas spawner. De toute façon, si ça spawn, ils vont se prendre les cactus, donc... Ouais, c'est pas gênant. Et on va planter quelques fleurs pour finir. Ça devrait monter encore. Effectivement. 10 295. Voilà, 10 295. S'il y a besoin de le monter à 11 000, à 10 395, tu vois.
Ah ouais. S'il y a besoin de monter à 11 000, il ne manquera pas grand-chose. Hein. On peut encore mettre, notamment au niveau des livres, on pouvait monter jusqu'à 100, on n'en a mis que 64 de chaque, donc on complétera. Donc voilà comment enfin faire un altar digne de ce nom. On mettra des blocs ici autour pour pouvoir faire notamment les Rituel. cercles de rituel, puisqu'on a besoin de puissance pour ça. Il faudrait que je vais déplacer ça aussi. Le chaudron et le kettle pour le mettre à côté. Bon, bref, l'épisode d'aujourd'hui c'était pour vous montrer comment faire Altar. l'altar et pour que ça fonctionne enfin. C'est Je trouve ça quand même un peu chelou perso, mais bon, Oui. c'est s'emmerder pour pas grand chose et ça fait moche au final. Mais voilà, on a un bon altar. Alors, avant de faire la suite, bah... bon, hop. On pourrait regarder justement, c'est ce que j'avais vu, attends, sur... Voilà, c'est ça pour faire les rituels. Ouais. Il faut qu'on summon Léonard, c'est ça. Voilà, on aura besoin de 10 550 en altar power. D'accord. Ok. Et ça, on peut le faire. Il faut que je regarde, que je me souvienne comment le... Ok. Tu, tu, Capacity tu, of the tu, brew. Donc il tu. faut rajouter tout ça. Ça, on les a... Est-ce qu'on a une Nether Star? On a une Nether Star quelque part? Bah, tu l'avais utilisé pour quelque chose. Oh merde, il va nous en falloir une. Bah, de toute façon, il va nous en falloir deux autres. Il nous faudra... Est-ce que j'ai pas gardé quelque part? Bah du coup on a les têtes de Wither donc hop. Ouais, oh, c'est bon, j'ai la Nether Star, mec, c'est bon. Est-ce que tu veux qu'on tente de buter Un autre le Wither? démon? Non, non, pas le Ah. Wither, un démon. Ah bah pourquoi pas. Dommage qu'on n'a Donc pas le alors, il type faut inventory Mandrake par contre. Root, Tear of Goddess. On doit l'avoir sur un... Alors, Mandrake Root, c'est bon. Tear of Goddess. J'en ai plus. Oh, vous savez quoi? On préparera tout pour la prochaine fois. On commencera l'épisode là-dessus parce qu'on est un petit peu à la bourre là. Je vais pas vous mentir. Sachez que pour la diffusion de Rigross, on ralentira peut-être un poil, c'est-à-dire on passera 3 épisodes par semaine au lieu de 4. Bon, c'était 3,5 jusqu'à présent. On verra, puisque là, les trucs maintenant demandent beaucoup plus de temps de préparation, notamment Tomcraft. Hein, il y a beaucoup de choses qu'on va faire hors caméra, les recherches et tout, parce que c'est pas ultra intéressant. C'est très long surtout. Et c'est surtout très long, ouais. Il tire pas. Parce que c'est pas la bonne épée. Me disais bien. Non, non. Pas tombé dans les cactus. Donc on fera ça la prochaine fois. Bah écoutez, sur ce, mon cher épée, Oui. on se dit rendez-vous à la prochaine. D'accord. Ouais, on invoquera le. Il faut parce qu'il faut que je déplace encore tous les trucs. Il faut que je prépare certains ingrédients que j'ai plus. Donc on invoquera le démon. Donc ça c'est Witchery. Hein. On va faire de toute façon Witchery et Tomcraft. C'est ce qui nous reste encore beaucoup de choses à faire là-dessus. Botania, le boss. Botania. Botania aussi, oui, il y a le boss de Botania. Du coup, il faut un beacon. Oui, ben ça, on rebutera un Wither. Hein. J'ai une Nether Star là, mais je vais en avoir besoin. Mais on retuera un Wither. Il me semble qu'il nous reste des Wither Head quelque part. Toute On façon, on n'avait peut en eu pas. refaire, donc c'est On pas peut les grave. crafter, je suis con. On peut les crafter directement avec certaines des graines. Voilà. Allez! Sur À la ce, prochaine, les gars! Ciao, ciao, bisous. ciao!